chance que Dieu vous bénisse. Quand vous chantez, vous devez rentrer. Parce que là où Dieu se trouve, dans l'adoration, notre sujet de ce matin, nous avons le sujet qu'on appelle le nom du désert. En portugais, c'est désert. Alors, tu peux pas nous définir. Je n'ai pas envie pour définir sujet la notre sujet, notre thème. Notre thème. Le désert, c'est la place où il y a. C'est le lieu. Les habitations. Où il n'y a pas d'habitation. Le désert, déshabité. C'est un endroit déshabité. Les arbres occupés. Les arbres vides. C'est très vide. Par le désert, région Moko. C'est une région. Les arbres qui montent. Il fait très chaud. Alléluia. Amen. N'a pas dit de comprendre. Je pense que nous avons compris. Objectif, il y a fait, il y a six jours. Notre objectif de ce sujet. Et ça, il y a mon Christo. C'est que un la possibilité. Doit savoir supporter. Le feu a traversé. Le désert qui va traverser. Tous les feux où il y a ça pour traverser. Le désert qui traverse. Et c'est là, il y a un zambé. Le chemin de Dieu. Dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne. Alors, on peut dire l'introduction. Nous rentrons dans l'introduction. L'introduction est ça pour la retourne. C'est comme une question qu'on pose. On dit qu'il peut déchirer le désert. On dit qu'il peut passer par le désert. Non, il a compris qu'on s'en va dans le désert. Il peut être dans le désert. Tout le monde a dans le désert. Il est dans le désert. Et ça, on tourne là, on a une question qu'on pose. Alors, par rapport à ton réponse, on dit qu'on peut passer par le désert. La personne qui peut être dans le désert. On peut être dans le désert. La personne qui est dans le désert. On dit qu'on s'en va au Christ. On dit c'est un chrétien. Tout est sali au Christ. C'est un chrétien. Tout est sali au Oyo. C'est une personne. On l'a fait sortir du monde. Donc on a comme toi et moi. Nous avons été par le monde. Objectif de passer. Objectif de passer. Le désert. Le désert. Nous sommes des passagers. Nous sommes
de la Sambra. Me le la yo. A poco vamos a volver a ella. Ella es ni en dos consultores. Mamá y le voy a la Sambra. Comme tu l'es ton père.
te nasa et longo na yo. Parce que je suis avec toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, tous à la patience. Ayons la patience. Tous à la patience et l'anzela y a nzambe. Ayons la patience dans le chemin de Dieu. Nzambaza na biso et longo. Dieu est avec nous. Malgré mi pepo et koya. Malgré tous les vents qui peuvent venir. Malgré la situation qu'on traverse. Que tu peux traverser. Oh, trahir, ne trahis pas ton Dieu. Kobungi sa patience na yote. Ne perds pas ta patience. Bien aimé, la monde ne peut kobungi si sa patience te. Je ne veux pas quelque chose peut faire. Et Ecclésiaste a l'obi vanité de vanité de vanité. Chapitre de base, c'est ça maintenant, nombre 21, 4 à 9. Le chapitre de base, c'est le nombre 21, verset 4. Mais total, il y a 4 à 5. Nous allons dire juste 4 et jusqu'à 5. Continuez pour ta bande. Et à la maison, nous allons continuer. Pour ça, déjà, je suis dans la carte. Parce que nous sommes vraiment derrière le temps. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Nombre, chapitre 21, verset 4 au verset 5. Amen. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La manière dont nous voyons n'est pas la même que Dieu. Alléluia. Amen. Toti kako yima yima. Arrêtons de murmurer. Et tant que bana nzambe. Tant qu'au fond de Dieu. Chaque tota ko yima yima. Quand on murmure. Nzamba sepela kate. Je ne se réjouis pas. Nzamba ko sepela na yote. Je ne réjouis pas de toi. Bonu basonga mokili. Il a dit, je suis en train de faire la condition. Alléluia. Amen.
yango moni bana na Israël. Alors que les enfants d'Israël. Le Bible va monnyo sur ma foufa na dessert. Que tous sont morts à cause de l'incrédulité. À cause de leur incrédulité. Car je suis la Caleb. Je suis Caleb. La papillon dans la vérité. Enlevant l'incrédulité. Enlevant le murmure. Les choses qui peuvent nous empêcher de voir Dieu. On laisse cela. Les choses qui sont vanité de vanité. Efface ça devant toi. Vois Dieu. Il est enfant dans ta vie. Mets Dieu dans la première phase. D'abord, cherchons le royaume des cieux. Tant que nous sommes en vie, bien-aimés, c'est le moment de réfléchir, de revenir en nous. Est-ce que ma vie, c'est comment? Le chemin que Dieu m'a fait rentrer, c'est comment? Je marche comment? Et on a patience. Nous attendons que les choses du monde, cela fera manquer à beaucoup de personnes du royaume des cieux. Lisons dans le livre de Hébreu. À la maison, nous allons lire jusqu'au verset 19. Donc, j'ai la parole de Dieu, Hébreux chapitre 3, verset 7. Au chapitre 3, verset 7, nous allons lire jusqu'au verset 10. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant un temps. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur si qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Parole du Seigneur. Bien-aimé, continue à lire à la maison. Elle me dit, c'est quand tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, c'est le moment. Bien-aimé, c'est le moment. Que l'enfant de Dieu ouvre son cœur. Qu'il fasse siéger Dieu dans son cœur. Que Dieu prend la possession totale dans son cœur. Que ton cœur ne soit pas la possession de la haine. Que ton cœur ne soit pas possédé par les mauvaises choses. Que soit la possession du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia.
charge. Je l'appelle celui qui ramasse les personnes. Ce que tu oses aujourd'hui, ce n'est que la part de Dieu. Vous savez combien de temps on va souffrir en vous. Il les a fait souffrir pendant 40 ans à cause de leurs actes. Lis à la maison, tu comprendras très bien. Nous lisons 1 Corinthiens 10, verset 9. Je lis la parole aujourd'hui de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 9. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Parole du Seigneur. Bah, le but de provoquer Jésus-Christ était. Donc, vous allez ne pas provoquer Jésus-Christ. Le coup la batoua n'a pas mon akala. Comme les autres ont bien provoqué. Ils ont provoqué le colo. Ils ont provoqué le Christ. Il y a moins béni la carte n'a pas mon. Vous avez beaucoup d'entre eux. La coupe va n'a pas soin, n'a pas n'a pas soin. Il est près de toi. Abandonne la cavalière, il n'abandonne pas.
bloquer dans le deuxième point malgré le temps où ça profond. Pardon, le deuxième point malgré que le temps passe. On a l'occasion aussi de s'amater. Nous n'avons jamais l'occasion de finir notre prédication. Deuxième point, ça conduit à l'incrédulité. Notre deuxième point, c'est enlever l'incrédulité dans le décès. Moi, dans l'ensemble, en enfant de Dieu, on est même des amis chrétiens. Si tout le monde est en train de nous allons faire la fourmi. Nous